Bon, on nous a demandé un prank tout à l'heure. Okay. Il est temps de faire ce fameux prank. Est-ce que vous avez les coordonnées déjà des autres anciens candidats? Qui? Ilona. Ilona. Qui avait fait The Voice Kid avec vous? Qui était avec moi au battle aussi. Ok. Alors, je chantais Ed Sheeran, Shape of You. Ok, très bien. Shape of You. Et qu'est-ce qu'on lui, on lui fait croire quoi à Ilona? Quand elle est vite. Non, je rigole. Je sais pas. Est-ce qu'on pourrait croire quoi? Je sais pas. Il n'y a pas un ancien candidat. Vous lui dites, ouais, j'ai eu Ismaël et tout, il est trop amoureux de toi. Ok. Ismaël qui était un finaliste de The Voice Kids. Kids United Love 10, Ismaël, Ismaël. La voix, c'est un nouveau. Ah oui, ok, la belle. Donc tu dis, tu fais ce. Allô, ça va? Oui, toi? Oui, j'ai une question. Enfin, surtout, on a un truc à te dire avec Irma. Ben, il y a Ismaël qui est fou amoureux de toi, il vient de nous le dire, là. Ismaël? Oui, Ismaël. Mais il est avec vous? Ben oui. Ah. La chaîne. Comment tu sais ça, toi? Révélation. Ah mais oui, c'est vrai, tu sais ça. Ah mais oui, tu l'avais dit. Oui. Bon, je dois t'avouer un truc. On a fait un prank. Non, il n'y a pas Ismaël. On est avec Irma et Gwendal et toutes les amies. Salut Ilona, bravo. Bravo Ilona. Bon, tu viens de nous avouer en direct que Ismaël était en kiff sur Irma, par contre, hein, ça, on est très contents de l'apprendre. Bah, je devais pas le dire, mais voilà. Bon, bah, voilà, c'est pas grave, hein, c'est pas ta faute. Alors là, c'est vraiment pas ta faute, c'est la nôtre. Bon, bah voilà. T'inquiète pas, t'auras Ismaël qui va t'appeler, je pense. Merci, Lona, bon, salut. Bisous. Ciao. Ciao, ciao. Eh bah, ça, c'est... C'est les petits pranks comme on les aime, vite fait, bien fait. Mais attends, ça date de quand? De la finale de The Voice Kids. Il me l'avait dit en coulisses. Il ne m'a jamais dit de sa vie. Non, mais c'est exceptionnel. Non, mais je crois que c'est plus maintenant, mais avant. Je crois que maintenant, il t'aime plus, mais avant quand même. Mais je ne sais pas, parce que sur le Gulag, la dernière fois, il disait qu'il aimait plus. En y réfléchissant bien... Vous pourriez coller, vous deux, ben quoi. Oui, c'est ça. En termes de culture musicale, de... Rien à voir, culture, c'est trop bien, ça. Oui, mais tu vois, genre, ça va quand même chercher du Frank Sinatra, lui, il va quand même chercher super loin, il aime beaucoup la soul, oui. Tu vois, le jazz et tout, pas mal, pas mal. Et toi, tu kiffes Ismaël? Pas trop, mais... Coup, ça. Il est gentil. Ok, c'est la pire réponse qu'on peut dire d'un mec. Quand une fille dit, bah, il est gentil, c'est que là, ça... C'était mon ami, c'est mon ami. C'est ton ami, voilà. C'est du coup, frère. Tu sais pas qu'elle va me dire ça. Parce que ah, bah nous frère. Non plus. Oui, c'est comme mon frère. Ouais. Ah, c'est comme ton frère, encore pire. Ok, donc il est gentil et c'est comme mon frère. Donc là, c'est mort. C'est... Ismaël, je pense qu'il était désolé. Passé à autre chose. Bon, bah Ismaël, on t'embrasse. Hein. Franchement, on te fait des gros bisous, c'est vrai, on l'embrasse. Oui, moi aussi, je l'embrasse. Oui. Tu l'embrasses, embrasse ou tu l'embrasses. Tu l'embrasses. Non, on l'embrasse. 4 bises. 4 bises, ah oui, parce que chez toi, c'est 4. Parce que 4... si tu fais 4 bises à quelqu'un à Paris, c'est chelou. C'est que y a... Ouais, tu vois, c'est... Non, là, c'est ami, alors. 4, ok. Très bien. Bon, ben écoute, on te... On...